Salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Fallout Shelter avec autant de mois d'absence. Car j'ai pas fait de vidéo à cause qu'il y avait l'école, puis vu qu'on est arrivé l'été, je peux gamer beaucoup plus pour faire plus de vidéos, j'ai plus de temps. On va direct créer notre abri. Fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça se peut que des fois je galère un peu sur les mots. Bon. Ouais. Bon, comme ça. En passant, je compte faire des streams. C'est quoi ça m'a survie? Ok, non. Ma survie, en fait, c'est juste plus plate. Mais comme je disais, oui, je vais commencer à faire des streams pour beaucoup plus de vidéos. D'accord, ça, ça fait un peu. Puis en passant, les vidéos Fallout Shelter, ça va être vraiment juste plus chill, où j'ai parlé de sujets d'actualité, je sais pas, juste genre vraiment chillé, bien relax. Puis si genre, je sais pas, vous pouvez dire des comme, je pense bien relax là, y'a pas grand chose. Ça, ça donne le tuto. Laissez le son. Oui, en fait, comme je disais, y'a pas eu beaucoup de vidéos à cause de, ok, c'est ça, checker en fait, ils ont les stats, faut les placer dans mon sac. Attends, je vais y arriver, je pense, un jour. Oui, comme je disais, il n'y a pas eu de vidéo à cause de l'école. Genre, vraiment pas... Il n'y en a quasiment pas eu. Puis, oui, justement, il y a ça. Puis, aussi, il n'y avait pas eu de vidéo de Tough Forest. Car oui, j'avais commencé un let's play. Il y a juste une vidéo qui est sortie. Le problème, en fait, c'est que les autres, je les ai toutes faites. J'ai au moins 7 vidéos de faites. Mais, j'ai pas pu les publier parce qu'ils étaient sur une clé USB. La clé USB, je la trouve plus. Car, oui, je viens de perdre 7 clés USB, c'est-à-dire environ 30 heures de travail. C'est quoi ça? C'est pas, si 30 heures de travail dans une vie, c'est quoi? Car maintenant que les résidents sont à l'œuvre, la salle va pouvoir toucher deux fois pour l'examen, d'accord? C'est un petit peu de merde, là. Oui, comme je disais, ça fait chier, j'essaie de retrouver. Puis aussi, j'ai recommencé, comme je disais, à faire beaucoup de vidéos. En passant, la vidéo, je la tourne sur un LG Velvet. Le dernier téléphone paraît LG, puis sûrement le dernier, car pour ceux qui ne savent pas, LG a arrêté de faire des téléphones. Car ça m'avait perdu, genre, quelques millions de dollars, me semble, un milliard, deux milliards. Puis ça devenait plus rentable. Moi, ça me fait chier, parce que LG, ça faisait partie des meilleurs téléphones. Ok, tout ça, elle est bonne, hein. Perception. Toi, t'es bonne en string, en force. Elle est bonne en... pas grand chose. Elle est bonne en agilité, on va la mettre là. Elle aussi, on va la mettre là. Ouais, puis en fait, les LG Velvet, j'ai dit en fait que le seul que j'enregistre, c'est vraiment un bon téléphone. Je vais vous donner les specs. LG Velvet, il a son processeur, en fait, c'est un Snapdragon 765G. Il y a 8 Go de RAM, 8 Go de RAM, autant que la PS4. Je vais juste vous dire que la PS4, elle a 8 Go de RAM, ou 4, je suis plus sûr. Il y a un écran OLED de 6,7 pouces, qui est quand même assez gros. Je vais vous dire que l'écran est assez long. Compatible, ici, compatible 5G, puis fonctionne sur Android 10. Car, oui. Perso, je trouve quand même un bon téléphone. Aussi, tu sais, comme j'ai dit, le LG compatible. Il coûte pas tant cher, honnêtement. Genre, pour de vrai, niveau qualité-prix, c'est parfait. Il coûte pas cher. Pour de vrai, je suis pas déçu pour qu'est-ce que c'est. Puis en plus, le seul problème en fait, c'est juste le téléphone est vraiment long. Donc, premièrement, des fois, j'ai de la misère à le mettre dans mes poches. Puis deuxièmement, comme vous voyez sur les côtés, là, les côtés qui sont les bords là, de la vidéo, ça c'est parce que le téléphone est tellement grand que plein d'applications n'est pas compatible. Puis je sais pas pourquoi Fallout Shelter ça fait ça. C'est un peu bizarre. Donc, oui, c'est à cause de ça.
Il n'y a pas grand chose à faire, hein? Ça va être long. Et il y a un nouveau résident. Qu'est-ce qu'il veut? Ok, lui il est bon en quoi? En endurance. Puis on n'a pas de trucs qui sont utiles pour l'endurance. Donc on va le mettre dans la chambre à coucher. En gros, c'est un autre résident, puis ils peuvent s'accoupler pour faire des bébés. Le jeu il est bien simple. Ça, c'est le genre. Fallout Shelter, c'est le genre de jeu que faut que tu l'ouvres genre à toutes les 15 minutes. Sinon, c'est un peu. C'est pas un genre de jeu où tu vas vraiment jouer. C'est plus le genre de jeu que tu vas ouvrir une fois de temps en temps. C'est quand même assez le fun. Le début, par contre, il est là. Puis oui, en passant, je pense que tantôt je l'ai dit, mais je vais faire des streams, puis plus de vidéos. Quand oui. Ouais. Puis Fallout 76, je vais sûrement arrêter de faire des vidéos quand ça me prenait des heures à faire. Puis personne regardait ça vraiment. Donc je vais juste faire des streams à place. Ça sera beaucoup, beaucoup plus simple pour moi. Puis c'est plus agréable, je trouve. Puis je vais faire certaines séries en stream. Puis ouais. Ok. Ouais, comme je disais, il n'y a pas grand chose à faire. Faut juste bien patienter, et puis ça, c'est un peu chiant. Hein. Hey, il y a un nouveau résident! Puis en plus, j'ai amélioré le niveau de un résident. Ah merde, c'est surpeuplé. Améliorer le niveau d'un résident, ça, je l'ai fait. Donc, j'ai une boîte comme ça. Ouvrons-la. Qu'est-ce que je vais avoir? Un nounours. Des 100 capsules. Radaway. Un pistolet laser rouillé. Un mousquet laser. Quand même pas pire. Je vais être honnête avec vous. En fait, c'est pas vraiment bon. Par contre, je vais devoir construire encore un autre quartier parce que c'est plein. Encore baisser le son, il est un peu trop fort. Ouais, elle, je vais la faire reproduire. Ok, ils peuvent déjà. Non. Ouais, lui, je vais l'équiper d'armes. La meilleure. Parce qu'en fait, juste vous expliquer, des fois, il va y avoir des attaques d'ennemis. Sauf que eux, en fait, les ennemis, ils vont faire ça salle par salle, d'étage à étage. En gros, ils vont partir de la droite, de la gauche. Ils vont faire tout l'étage. Puis si c'est vide, ils vont aller en bas. Ils vont tout faire l'étage, ils vont aller un étage plus bas. Et ainsi de suite. Elle aussi, je vais la mettre en entente pour se faire reproduire. Ça fait un peu bizarre dit comme ça. Puis ça l'est. Ah, c'est ça. J'avoue, c'est un peu bizarre. Ça avance quand même bien. On a un petit quelque chose. Un nouveau résident. Jonathan L. D'accord. Lui, il est bon en agilité. Elle va le remplacer. Tu vois, elle aussi, je vais la mettre en attente de se reproduire. Voir. Ouais, trois femmes en attente de se reproduire. Fait que oui. Ça fait quand même du bien avoir un nouveau résident. C'est toujours utile. Maintenant que j'ai équipé mon arme à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est bon en perception pour pouvoir viser. Mais merde, les mondes qui sont bons en perception sont tout en bas. Puis en bas, ils sont tout en dernier. Fuck off. Tout ça. Puis aléatoire, Kevin. Je vais mettre ça à Kevin, frère. Kevin Miles. Non, mais. Non, il y a de l'eau. Hey, encore un autre résident. Lui. Il est bon dans rien en fait. Attends, je vais le mettre. Ah, ok, il l'a remplacé. Donc là, j'enlève une femme. Puis ça, comme ça, on va avoir deux femmes qui sont en train de se faire séduire puis qui vont se faire mettre enceinte en même temps. Au pire, elle, je la mets là. Puis je lui équipe de l'arme que j'ai mis à lui. Elle va défendre la porte. Défendeur de la paix, défendeur de je sais pas quoi. Mais bon. Si je regarde les objectifs envoyés. Attends, je retourne. Envoyer un résident dans les terres désolées. Équiper un résident d'une tenue. Réussir un rush dans une salle. Ça va être facile, réussir un rush. J'ai juste à faire ça.
Merde, je me suis raté. Comme par hasard. Chier. Entendre qu'éteigne le petit feu. On va faire un rush, mais dans une autre salle, cette fois-ci. Attends, on va attendre qu'ils finissent, là. Récupérer, rush. Ok, bon, je pensais pas avoir réussi, mais les pétins, là. On a une boîte encore. Un ventilateur. De l'énergie. Une tenue. Des caps. Jessica Mason. Personne quand même assez polyvalente, on dirait. Si je check dans une de mes objectifs, il me semble que c'est équiper un résident d'une tenue. Donc je vais juste l'équiper puis le désactiver. Pas un peu besoin. Non, j'ai plus l'équipé avec quelqu'un d'autre qui aurait besoin, genre quelqu'un dans l'eau parce que ça l'améliore sa perception. Donc, on va avoir les meilleurs stats. Comme ça. Puis, ça, elle est bonne en charisme. Mais surtout, en fait, elle est bonne dans tout. Elle, je vais la faire plus comme un soldat. Donc, je vais déséquiper lui de son arme. Puis je vais équiper elle de l'arme la plus forte qu'on a. Elle est bonne dans quoi? Ben, dans pas grand chose en fait. Elle est quasiment inutile, on va mettre là en attendant. Bon, ça sert à rien. On débloque une nouvelle construction qui est une réserve. Augmente le nombre d'objets et d'animaux que vous pouvez posséder. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Yes, on a encore une boîte à lunch. Fusil à levier, ça c'est intéressant. Un globe, ça c'est du bric-à-brac. De l'eau. Des capsules. Une tenue de mer. On va en plus de caprice. Attends frère, c'est moi et on vient d'échanger de partenaire. Attends, lui on va lui équiper une tenue de mer. Ah, il est beau bien comme ça. Bon, c'est pas le sujet. Bon. Elle aussi, on va lui équiper. Le fusil à levier. On va avoir 3 personnes à l'entrée. C'est un peu gros, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? On va attends, juste faire ça. Parce qu'on a un défi, c'est juste envoyer un résident d'inter désolé. Mais tout de suite après, je vais l'enlever. Vous allez voir. Départ de l'abri. On va partir. On va rappeler. Yes, on a fini ça. Récolter 50 vivres. Là, c'est juste patienter. Mais bon. En même temps, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Pour ça, si j'avoue un peu fatigué, c'est parce qu'on est 22h50. Donc, oui, je suis un peu fatigué. Surtout que j'ai mal dormi. Donc, ouais. En train de. Il vient de Ken. Ah, notre première femme enceinte. Yes! Ça va nous faire un futur enfant. Par contre, les femmes enceintes, dès qu'il y a un danger, ils fuient. Puis le problème avec les enfants, c'est qu'ils travaillent pas, puis qu'ils gaspillent nos vivres. Mais plus tard, ils deviennent des adultes qui vont travailler, donc c'est quand même nice. Bon. Mais du coup, je pense qu'on va se quitter déjà. C'est vraiment une courte vidéo. C'était juste aussi pour introduire à recommencer à faire des vidéos. Donc, du coup, n'oubliez pas de vous exprimer en pouce rouge, pouce bleu en commentaire. N'oubliez pas d'écrire, de liker si vous voulez, de vous abonner puis d'activer la cloche, ça me ferait plaisir. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye!